Le livre des morts, pour les anciens égyptiens, est un abus de langage. Curieusement, son vrai nom est le livre pour sortir au jour. En effet, pour les Égyptiens du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, la mort n'est qu'une porte, et le défunt est actif et suit une série d'étapes pour se régénérer et prendre place parmi les dieux dans le cosmos étoilé. À titre de comparaison, c'est un train qui rentre dans un tunnel. Vous êtes dans un wagon éclairé et vivant, et vous traversez les ténèbres du tunnel. Bientôt, la fin du tunnel apparaît, et un nouveau paysage s'offrira à vous. C'est en 1842 que l'Allemand Karl Richard Lepsius effectua sa première traduction de ce qu'il appellera le Livre des Morts. Précisons tout de suite ce que n'est pas le Livre des Morts. D'abord, ce n'est pas un livre, mais un recueil de feuilles ou d'incantations, de prières et d'éloges des dieux qui sont la trame principale. Ce n'est pas un testament qui permet de distribuer les biens terrestres pour les vivants. Ce n'est pas non plus une sorte de Bible. Il serait vain de chercher des dogmes et des révélations pour guider le fidèle. On peut donc résumer l'ensemble comme un répertoire de recettes magiques. Dans l'esprit de l'Égyptien ancien de plus de 3500 ans, ce passage dans les ténèbres n'est pas frayeur de l'inconnu, horde de monstres en tout genre. Le pharaon d'abord, puis les moins fortunés, vers 2100 avant Jésus-Christ, et grâce au culte d'Osiris, pouvaient se prévaloir d'une nouvelle vie après la mort. Il suffisait d'affirmer devant les dieux l'honnêteté que l'on avait eue dans la vie d'avant et de le clamer sans défaillir grâce aux formules magiques. Dans les tombeaux et les mastabas, les pharaons et dignitaires, ce sont les murs des vestibules donnant accès à la chambre mortuaire, que sont tapissées les incantations, les hymnes, les prières visant à assurer aux défunts une vie heureuse et indestructible. Puis le salut dans l'autre vie était à la portée des petites gens, d'abord parce que l'on pouvait se passer de la pyramide ou d'un mastaba au prix exorbitant, et que le support pour inscrire les incantations n'est plus la pierre gravée, mais le papyrus. Encore faut-il le service d'un scribe talentueux pour rédiger ses formules magiques en fonction de la personnalité de l'intéressé. C'est un peu comme si vous demandiez à un généalogiste de réaliser votre ascendance. La commande du livre des morts est une marchandise comme les autres. Le nombre de thèmes qu'on appelle les chapitres, l'iconographie, et la longueur du papyrus dépend essentiellement du rang de l'acquéreur et du prix que celui-ci pouvait payer. Apprécions le papyrus de Turin, qui mesure 58 mètres. D'autres font 20 mètres ou 4,50 mètres et d'une hauteur entre 30 et 45 cm. Chaque prière magique réalisée sur un papyrus commence sur un gabarit. L'artiste dessine dans les vignettes, puis le scribe s'appliquera à remplir les lignes d'incantation. Parfois, le manque de place empêchait la fin du texte. Parfois, le scribe improvisait au gré de sa fantaisie. Sortir au jour, c'est renaître. Le corps préservé grâce à la momification. C'est parvenir, sain et sauf, grâce à des incantations, dans les champs d'Ialou, ou les Champs-Élysées pour les Grecs, ou le paradis pour le chrétien. Pour arriver à l'ultime étape, le défunt dans le royaume d'Osiris doit avoir tous ses attributs pour affronter les épreuves sur son chemin. Découvrons quels sont ses attributs. D'abord, le corps physique,
soumis à la décrépitude de la vieillesse, est rendu inaltérable après la mort par le processus de la momification. Il y a deux mots pour désigner le cœur, le ib et le hati. Le cœur est le siège de la personnalité, de la mémoire et de la conscience. Le ren est le nom, une partie primordiale de l'être. Sans nom, il n'y a plus d'être. L'effacement du nom est l'un des châtiments suprêmes qui condamne magiquement les criminels à la damnation et à l'oubli. Le ka représente l'énergie vitale. Il possède un double spirituel qui naît en même temps que l'humain. Le ka survit dans la tombe après la mort grâce au culte funéraire et aux représentations d'offrandes alimentaires. Le ba, traduit par âme, est un principe spirituel qui prend son envol à la mort du défunt. Cet attribut représente l'énergie de déplacement, de dialogue pour s'exprimer devant les dieux et de transformation inhérente à chaque individu. Le kaibi est l'ombre. Un défunt n'est complet que s'il dispose de son ombre, à l'instar de son ba. Enfin, l'ak est le fait d'exister. Le mort n'est pas néant, mais un mort bienheureux qui a atteint le statut de puissance spirituelle supérieure et lumineuse. En résumé, c'est le défunt lui-même qui se charge, grâce à des formules et des prières, exprimées devant les dieux qu'il rencontre, à valider sa présence dans le cosmos étoilé. Sans défaillir, il prendra place parmi les dieux pour jouir d'une vie éternelle.